Bonsoir à tout le monde qui est dans la salle. Excusez-moi, depuis que vous me connaissez, vous ne m'avez jamais vu avec une tête aussi bizarre. Je reconnais que ma perruque, c'est une perruque qui m'a coûté 780 000. Mon make-up m'a coûté 70 000. Et je reconnais mes lunettes. Ce sont des lunettes que j'ai ramenées d'Italie. Et aujourd'hui, si je prends la parole devant vous, c'est pour vous parler de l'ingratation. Pardon, l'ingraterie. L'ingratation, on dit quoi? Ingratitude. Moi, au Bambou Bifossi, dans la diaspora, qui n'ai-je pas connu comme homme? Et ton fils m'avait dragué, m'a barré. Fali Bourga m'a dragué, j'ai barré. Il m'a même composé une chanson. Moto, yo, et ça, la fille là qui vend le coquille, c'est parce que j'avais un restaurant en Europe. Mais soit, j'étais sur Facebook. Je suis tombé sur un homme que j'ai vu, un jeune plein d'avenir. Il faisait même quoi dans la vie, un métier sans avenir, sans issue. C'était un humoriste, en bas pour mon numéro. Je lui ai confié tout mon corps, tout mon âme, tout mon esprit. Je lui ai aimé. Il m'a brisé le corps et le cœur. J'ai dit non, ça peut arriver parce que les petits salopards du Cameroun, cordialement. Et puis donc, je suis revenu au Cameroun. Il m'a fait beaucoup d'abus. Et moi, mon gars, mes voitures, mes véhicules, celui qui regardait les chantiers. Regardez les chantiers. Je lui ai pris, filme-moi, je lui ai lavé, je l'ai arrangé, je lui ai positionné, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je vous fais cette. Ferme ta gueule! C'est fini! Allez-vous-en! Il est comme son père, la tête comme ça, comme le trapèze. Mina. Donc, j'étais là, je lui ai confié toute ma vie. Ce matin, je me réveille à Carbonel, à K20, il porte 2-0. Mais 2-0, c'est peut-être non, avec son gros ventre, il va aller faire diminuer son ventre. Mais quand je fouille, j'essaie de me comporter comme une femme de maison, j'essaie d'arranger la maison. Que découvre-je? Que je découvre? Mes yens, ils ont mes yens vraiment. Les hommes sont ingrats. Regardez ce que j'ai trouvé. Donc, j'étais fière, hein. Chaque fois que je reviens, je vois mon mari, parce qu'il est marié à une autre femme, mais le gigolo que j'ai nettoyé, ma caméra, il saute comme la tisse, il est efficace. Ma tournée, peut-être, il a appelé la chorégraphie de araignée. Ma connaît, en gars tourné, il me tourne comme deux espagettis. Bien, je crois que vraiment, c'est une vitalité naturelle, alors qu'il est parti prendre les alliés pour finir avec moi, pour rester avec mes immeubles. Chère femme, je suis une veuve joyeuse, je le pensais, mais je suis une veuve en danger. Si quelque chose m'arrive, demandez à mon site charismatique, ce gigolo, il finit avec moi chaque fois. La bouteille de vitamine 237, c'est la part qu'il peut prendre ses armes pour finir avec moi. Moi, là, il veut me faire l'éborisation comme à Eboro. Il veut finir avec moi. Je vous lui dis, j'ai mon avocat, mes belles filles. Je vais appeler mon avocat. On va en découdre avec lui, en découdre avec sa carrière. Papa, ce soir, Aïcha Kamoise, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Matériaux. On s'en fait que je dis. Oui, ça va, on s'en fait. Ah, on va mettre son montage. Okay. Faut pas qu'il sache que c'est le placement de produits. Ma carrière, le remède, il fonctionne. Pile à l'heure. Mon style, s'il te plaît, déshabille-toi.